Nous disions que l'utérus n'est pas réceptif à tout moment. L'endomètre requiert l'action d'une hormone appelée progestérone, et son nom nous indique clairement quelle est sa finalité. Il s'agit de l'hormone progestation, et cette hormone est soit formée dans l'ovaire de forme naturelle, ou alors elle est administrée par le médecin. Elle est indispensable pour permettre au berceau endométrial de se préparer à recevoir l'embryon de manière adéquate. Dans des situations dans lesquelles la patiente réceptrice a une bonne fonction ovarienne, ses ovaires produisent un stimulus et une préparation endométriale adéquate. Il n'est pas nécessaire d'administrer de la progestérone de forme exogène, car elle la produira déjà dans son propre ovaire, rendant cette étape du traitement plus facile et tolérable.